Bonjour, aujourd'hui je vous propose des cheese naan. Donc pour le faire, il vous faut 300 g de farine, un yaourt, une cuillère à soupe d'huile, une pincée de sel, 5,5 g de levure chimique et du fromage fondu ou du râpé. Donc dans la farine, nous allons mettre l'huile, le yaourt, et ce coquin n'a pas voulu descendre. Un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave. Un petit récapitulatif. Donc voilà, le yaourt, je l'ai mis dedans. Il va falloir rajouter la levure et le sel. Préparez dans un coin un verre d'eau tiède, parce qu'on en aura besoin pour bien mettre la pâte. Là, ma pâte est bien pétrie, elle est molle, nous allons la laisser poser pendant 10 minutes. Donc quand elle a été posée, nous allons la prendre et la séparer en 6 morceaux. Donc là, vous allez prendre une boule que vous allez aplatir à la force de la main. Voilà, voilà. Alors avec un rouleau, si vous en avez, avant de mettre le fromage, vous pouvez l'aplatir un peu plus. Donc vous prenez le fromage et vous le découpez, et là vous allez replier votre pâte par-dessus. Alors je vous conseille de ne pas utiliser le rouleau quand vous avez mis le fromage, parce que sinon vous en mettez partout, c'est une cata. Là nous allons prendre une poêle anti-adhésif et nous allons cuire les naans 3 minutes de chaque côté. Donc 3 minutes de chaque côté. Et voilà mes naans cuits. Alors il y en a déjà un qui a été mangé, un autre qui est en train de cuire. Ils sont super bons. Ah, merci, abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt.